Bonjour. Dans la série Dis-moi ce que les grosses erreurs que font les gens quand ils cherchent à être heureux ou qu'ils tendent vers le bonheur, eh bien, il y en a une que les gens font régulièrement qui est de croire que tout va s'arranger d'un seul coup. J'ai parlé des monométhodes, hein, des méthodes qui seraient miracles. Hein, par exemple, si vous imaginez que vous êtes malheureux, fatigué, eh bien, vous allez vous faire enlever le plomb des dents qui va finalement tout résoudre, ou alors vous allez cesser de manger du gluten, j'en sais rien. Eh bien là, il y a aussi une autre solution, une autre manière de voir les choses qui est que certaines personnes ont une pensée magique qui fait qu'elles croient que d'une seconde à l'autre, ça va se réparer. Vous savez, même quand vous faites une opération lourde, hein, vous avez souvent de la rééducation. J'entendais un de mes amis hier qui me parlait. Pour ne pas dire d'Alex et PJ, je ne connais pas trop cet individu, mais il y en avait un qui s'était fait opérer et qui avait 8 mois de rééducation. Ben, 8 mois de rééducation, ça veut dire qu'il faut reprendre. Et pas mal de monde imagine que le bonheur leur est dû et qu'en fait, ils doivent finalement simplement faire quelques petites choses, appuyer sur quelques boutons pour résoudre le problème. Immédiatement, j'insiste. Or, la solution n'arrivera pas, ou rarement, immédiatement. Vous savez, c'est comme quand vous voyez ces films où la personne avec le psychologue hein, réussit à faire prendre conscience à la personne de ce qui n'allait pas dans sa vie, puis tout va bien. Ben, c'est un peu ça. Et bien en fait, ça se passe pas comme ça, ou ça se passe rarement comme ça. Il faut comprendre, je pense qu'il faut intégrer le fait que ça ne va pas se passer bien nécessairement, dès le début. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous accrochiez aux petits progrès par la politique des petits pas. Hein, c'est-à-dire que chaque jour, vous faites quelque chose de nouveau, et chaque jour, vous poussez pour aller dans le sens de du meilleur. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce que parfois on perd courage, parce que parfois on se laisse attraper par la vie, et parfois eh bien on abandonne. Et je pense que c'est très important, si vous êtes dans une démarche de mieux-être, hein, c'est pour ça que j'ai appelé ça les sentiers du bonheur aussi. On n'est pas dans les. On n'est pas dans une démarche où on va. C'est pas les autoroutes du bonheur, hein, c'est les sentiers. C'est des petits chemins qui vont nous permettre progressivement d'arriver où on veut arriver. Et c'est un petit côté rural qui ne me déplaît pas. Alors, bien entendu, hein, comme tout, comme un enfant, par exemple, un enfant, quand vous lui promettez quelque chose, vous devez avoir une notion de récompense dans votre vie. Il va falloir que vous essayiez de faire que vous viviez mieux progressivement. Mais ne vous attendez pas à des résultats spectaculaires d'une seconde à l'autre. Hein, comme les bonimenteurs peuvent vous le faire croire, et qui vont faire réussir les choses de manière radicale. D'ailleurs, réfléchissez, hein, dans votre vie, les fois où vous avez eu vraiment des améliorations telles que vous avez pu considérer que ça se passait comme ça. Mais il n'y en a pas souvent. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut prendre son mal en patience. Hein. Le patient, c'est celui qui est malade. Hein. Alors patience, le temps. Ce serait intéressant de savoir d'où vient ce mot, patience. Et bien, il va falloir prendre du temps. Et donc, faire preuve de philosophie, faire preuve de calme, de sérénité. Ça va demander du temps. Et le problème souvent, c'est que comme les gens n'ont pas travaillé leur bonheur avant, hein, puisque ça se travaille, eh bien ils se retrouvent dans des situations où c'est, ils auraient besoin d'appuyer le bouton rouge, hein, mais là il est trop tard, ils sont tellement mal qu'ils se disent « mais ça marche pas ton truc ». C'est comme le yoga exactement. Ben, c'est pas ça, c'est pas que ça marche pas. C'est que vous vous êtes pas pris à temps. Ça fait pas mal de fois dans votre vie qu'il y a des voyants rouges qui s'allument, vous les avez sans arrêt éteints.
Bah, la rançon de ça, c'est qu'au bout d'un moment, quand ça va vraiment mal, quand c'est vraiment le bout du tunnel, eh bien vous avez l'impression que vous demandez à appuyer sur le bouton, vous demandez le produit que vous allez mettre sous la langue et qui va vous calmer. Mais il faut travailler en confiance et en conscience. Il faut avancer vers le mieux. Voilà, j'espère que j'ai pu un peu dissiper un malentendu. Je voudrais dissiper un autre malentendu qui consiste à dire, parfois, une personne m'avait dit, mais tu souris rarement hein, quand tu fais tes vidéos et on a l'impression que tu es très 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 sérieux. Ouais, mais rien ne dit que le bonheur pour tout le monde, c'est la même chose. Moi, j'estime être heureux parce que je fais ce que j'aime faire, je suis bien entouré, pas mal de choses fonctionnent bien, mais je ne suis pas forcé d'avoir 18 ans, d'être une petite nymphette et de vous raconter des histoires de maquillage pour avoir l'impression d'être heureux. Parce que il y a une tendance là que je vois un peu à droite, à gauche, qui sont des jeunes souvent, qui sont toujours en train de sourire comme ça, et qui sont. Je me demande où ils ont pris cet air complètement débile. Mais enfin, voilà. Donc j'espère que vous allez pouvoir réagir sur cette notion de temps, la notion de temps pour acquérir une certaine joie, le bonheur. Et puis j'espère que vous allez pouvoir nous retrouver rapidement. Salut!